Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc la vidéo d'aujourd'hui ça va être des figures freestyle. Donc je vais apprendre à un pote comment faire des figures freestyle. Donc mon pote c'est Lucas Broncourt, je suppose que vous ne connaissez pas. Je vous mets son Instagram juste ici. Donc Lucas c'est ça. Bon, vous l'avez compris, Lucas, c'est pas du tout un mec qui fait du foot et du freestyle, donc il fait du street workout. Est-ce que tu peux nous parler de ce sport, de cette discipline? Street workout, c'est de la musculation au poids de corps, donc pompe, traction, dips, muscle up. Vous verrez dans la vidéo de street avec Mathias. Allez, checker. En gros, je vais vous montrer des figures de freestyle de plus en plus compliquées, donc on va commencer tout de suite. Est-ce que t'es chaud? Ouais, je suis chaud de ouf, mec. Allez, let's go. Allez. Comme je vous ai dit, il fait pas du tout de freestyle, donc on va commencer tout doucement avec des jonglages. Donc je vais demander de faire 20 jonglages pied droit, pied gauche alternés pour commencer. Est-ce que t'es chaud? Vas-y, je suis chaud mec. Allez go, je te laisse 10 essais pour réussir le premier défi. Ça marche. Non. J'y refais pas du tout. Quatrième. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Non. Ça fait deux fois le pied droit. T'es bien parti, ça fait deux fois le pied droit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 9, 20, tranquille. T'as réussi le premier défi avec 5 essais. Donc yes. Là, on passe au deuxième. Je te demande de faire un tour du monde. Donc, dans le sens que tu veux. Ok. Un tour du monde, 10 essais aussi. 10 essais. 10 essais, un tour du monde. Ça marche. Je crois que tu allais réussir des premiers coups. Deuxième. Dans le deuxième. Stop, stop, on va partir. Allez. Deuxième. Deuxième défi validé, 6 essais je crois pour faire un tour du monde. Yes. Donc on passe tout de suite au troisième. Troisième défi, il va devoir faire 2 tours du monde de suite. Donc normalement il devrait y arriver. Enfin en tout cas j'espère. Donc voilà, 2 tours du monde de suite sans faire de jonglage entre les deux. Est-ce que tu te sens chaud? Ouais. C'est pareil. Ok. Let's go. Il faut aussi un. Hein. Ouais, faut, en fait, tu dois rusher direct. Ok, ok. Tu peux faire un et direct, tu vas rusher le visage. Oh, dommage, en vrai, c'est pas loin. Je vais l'avoir, Oui. En vrai, le premier c'est trop bien réussi. Ouais, c'est bien. Lève le haut. Ouais, c'est une idée, ouais. Je pense que tu lèves le haut, il y a moyen que. Non. En vrai, t'es pas loin, mais. Avant, il y avait une petite touche. Ouais, t'as fait un jongle entre les deux. Ouais. Ça, c'est chaud. T'as combien d'espaces 6 Non, j'ai que 4. Je crois pas en vrai. 6. Le dernier, comme je vous ai dit. Il me reste un essai et je pense que ça va être un échec. Hein. On va pas se mentir. Je pense que c'est un échec. Je vais prouver le contraire. Échec. Bon, bah. Échec, t'es sûr? Viens. Une réaction? C'est vraiment dur. Le foot, c'est dur.
C'est très très dur. Bah c'est pas du tout ton domaine en plus. C'est pas ta discipline du tout. Je pense qu'on peut le voir. Mais en vrai ça va, il se débrouille parce qu'il a déjà fait un tour du monde. Mais bon, le double c'est compliqué. Quatrième défi, donc il a réussi le tour du monde. Je pense que tu peux réussir le crossover. Donc le crossover, t'as juste à jongler. Enfin, le jongler c'est mieux. Et voilà, tu sautes par-dessus le ballon. Donc je te laisse pareil 10 essais pour la réussir. Ça marche. T'as compris comment faire? Ouais. Allez. Let's go, 10 essais. Après tu peux faire pied droit, moi j'ai pied gauche. Ouais donc, ouais. Je vais taper pied droit et... Ouais, je fais pied droit. Vas-y. Je pense que tu peux réussir. En vrai c'est ça. Ouh. Mais... Dans ce cas-là, c'est un peu plus tôt je pense. Ah oui, ok. Oh non, c'est pas des... Il a inventé un geste, c'est pas du tout ça. Genre toi, j'ai l'impression que tu fais ça. Genre tu joues. Et après tu joues. Je crois que tu devrais sauter. En fait, ouais, faut que tu sautes. Genre, tu sautes. Et c'est beaucoup plus facile en réalité. Tu peux le faire. Après moi c'est parce que je m'entraîne mais... Ouais, t'inquiète. Non. Elle est bonne là? Non. Elle a tapé le sol là. Ah merde. Elle a tapé le sol. Alors, on va la refaire du coup. Sans taper le sol. Demande la VAR. Pour Mathias, MathGR, allez le suivre sur les réseaux, Insta, ouais. YouTube. Vous pouvez me suivre sur Instagram, sur YouTube, et vous abonner à sa chaîne YouTube d'ailleurs, donc n'hésitez pas. Combien c'est 6ème? La 6ème essai. Allez mon grand. Oh, je l'avais. Non, tu l'avais pas. Je l'avais pas. Je l'aurai. Un jour. Bon. C'est un échec. C'est un échec. Ouais, c'est plaisir. En vrai, c'était compliqué. Non, c'est dur. Quand... Ça fait un an que j'ai pas touché un ballon, c'est chaud. J'avoue. Mais surtout que c'est des jeux de freestyle. Ouais. Le foot et le freestyle, en vrai, ça n'a rien à voir. Donc, on passe au cinquième défi. Ouais. Allez, let's go. Cinquième défi, donc cinquième geste on va dire. 20 jongles assis. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Tour du monde. 20 jongles assis, donc 10 essais aussi. Okay. Je pense que t'en es capable. Ouais. Parce que t'es un mec chaud quoi. Ouais j'avoue. Allez ouais, c'est pas mal ça. Allez go. Allez. Premier essai, on y va. C'est rien, c'est la progression et on va au 10ème essai, en fait je double. C'est tellement au sol, franchement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ah, mais... J'ai une question. Comment tu fais pour faire 20 jongles assis? C'est beaucoup d'entraînement, je suppose. Ouais, je pense que c'est du travail. Après ouais. Un an à pas avoir touché de ballon, ouais. C'est vraiment dur. Ok. Ça passe quand même. C'est ça, c'est beaucoup d'entraînement, je suppose. En tout cas, félicitations. Ouais, merci, franchement, merci. Sixième et dernier défi. T'as un but là-bas avec une barre transversale. Okay. Donc, je vais te demander 5 essais pour faire un cross bar. Du milieu de terrain, juste la barre. Okay. 5 essais. Ouais. C'est chaud ? Vas-y. Let's go. Allez, c'est parti. 5 essais pour faire. Pour toucher la barre, tout simplement. Let's go. Bon, sixième et dernier défi validé. Yes. Franchement, t'as pensé quoi la vidéo? Franchement, la vidéo, moi je fais comme je vous ai dit, je fais pas beaucoup de foot. Ça fait en vrai, ça fait un an que j'ai pas touché au ballon. Parce que moi je fais plus de la musculation au poids de corps.
Mais c'était vraiment cool, c'était plutôt fun de faire la vidéo. Voilà, j'ai appris des nouvelles techniques. On arrive pour les prochaines vidéos. Ça va arriver fort. Pouce bleu, commentaire, partagez au max. Let's go! Bowser all day, every day, tu veux du pain? Salut! Nickel! Et action! Vous l'avez compris, Lucas, c'est pas du tout un mec qui fait du foot. Bref, vous l'avez compris, Lucas, il fait pas du tout du foot, il fait du foot. C'est trop dur. Okay, attends. Bref! Bon, vous l'avez. Il faut regarder. Oui, du coup, oui, c'est vrai. Ouais, au moment où tu tapes le ballon, ouais, avec ton pied, tu sautes. Regarde. Ah oui, ok. J'ai une question. Quoi? Comment as-tu. On se voit ou on se tutoie? Ouais, comme tu veux, mec. J'ai une question. Oh, vas-y, on la fait pas au pire. Si, si, vas-y, t'as une question. Ouais, j'ai une question. Oui, dites-moi. J'ai une question. Dites-moi. Comment t'as fait. Ah, t'inquiète, t'inquiète, vas-y, vas-y. Vas-y, rigole pas, je suis chaud et après je dis vas-y. Moi, je suis pas chaud. J'ai une question. Ah non, c'est vraiment dur. Allez, c'est là, ça bosse, ok. J'ai une question. Oui, oui, t'as une question. Oui, j'ai une question. Mec, ça va être. C'est infaisable. C'est dur là.